Yeah, salut tout le monde, c'est Camille en compagnie de Chewie. Salut tout le monde. Salut Chewie. On est à quel épisode, Chewie, tu sais? Ouh non, là je me rappelle pas. C'est 88, je viens de voir son... donc là, faut qu'on trouve le bijoutier. On repart en monture. Ouais. Ok, ouais, le bijoutier est pas là, je suis bête. Non, il est pas loin. Enfin, le mec, level 446. on en est loin. Ah bah oui. Surtout moi. On a 9 levels d'écart. On a quoi? Ah oui, il est là. Et tu es avec moi, Chewie? Ouais. Si vous cherchez des bijoux sur mesure, sachez que je voulais pas non plus, j'ai vu ça. Pareil, c'est vous qui avez fait cette amulette? Mon amulette! Dites-moi, est-ce qu'elle a fonctionné? L'Argonien a-t-il souffert? Quel Argonien? Le brigand qui a tué mon fils! J'ai dépensé toutes mes ressources pour créer cette amulette et le traquer. Je ne suis ni un homme fort, ni un homme violent, voyez-vous. Ah. Mais j'ai d'autres compétences. Cette amulette est mon chef-d'œuvre. Bon, ça sent que c'est pour nous, à mon avis. Comment elle fonctionne? Elle amplifie la culpabilité du meurtrier. Elle submerge son porteur de chagrin jusqu'à ce qu'il prenne sa propre vie. Sans vouloir me vanter, c'est de la vraie poésie. Ceci dit, cela faisait bien longtemps. Je commençais à douter de son fonctionnement. Bon, on l'a pas trouvé sur un Argonien, par contre, hein. Quoi? Impossible! Vous mentez! C'est l'Argonien qui vous envoie, c'est ça? Il n'est pas mort? J'ai découvert ce journal près de l'amulette. C'est terrible. Cette personne n'avait aucune raison de mourir. Qu'ai-je fait? Donnez-moi l'amulette. J'ai fait en sorte qu'il soit impossible de s'en débarrasser. Mais je l'ai créée. Alors... je devrais pouvoir la recevoir. Bah tiens. Je vous remercie de m'avoir permis de tourner la page après le meurtre de mon fils. Je sais ce qu'il me reste à faire à présent. Bah, c'est... qu'est-ce que tu veux dire? C'est à mon tour maintenant de porter l'amulette. S'il y a un coupable, si quelqu'un la mérite, c'est bien moi. Bon, Chewie? Ouais. Pourquoi faire cela et après on voit s'il meurt ou pas? Ouais. Ouais, ouais. Pourquoi avoir fait ça? J'ai créé cet abominable objet. Il me semble normal de le laisser me détruire. Une forme de justice. Ouais, quelqu'un d'autre pourrait la trouver, tu devrais la détruire, ou tu as raison, garde l'amulette. Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur lui, donc... Ouais, moi je verrais plus le côté, si quelqu'un d'autre la trouve, ça pourrait foutre la merde, donc oui, détruis-la. Hein? Ouais. Voilà. Vas-y, vis. Oh, divin. Ouais. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ma vengeance n'a fait qu'apporter plus de souffrance en ce monde. Après tout, peut-être que la mort n'est qu'un piètre substitut à la justice. Vous avez raison. Je dois mettre fin à ce cycle malsain. Je dois détruire l'amulette. Très bien. Et ben voilà. Ah, voici ça, la destruction. Il tape bien du marteau. Sur son doigt. C'est ça. Ok. C'est terminé. C'est terminé. Plus personne ne souffrira de cette maudite vengeance. Et pour toi, ça va? Je ne sais pas si je mérite d'être pardonné pour ce que j'ai fait, mais... je sais que plus personne ne devrait souffrir pour ma folie. Merci. Et prenez ceci pour votre peine. Eh ben écoute, hein, pas mal la petite bague. Bah on est bien. Ouais. Par contre, je vais virer laquelle. Réduit le coût de la magie. Et augmente la magie. Mais elle augmente la résistance au sort et les PV. C'est une bague de tank en fait, j'ai l'impression. Ouais. Bah moi, elle va me servir en fait. Ah bah toi, oui, carrément. Elle est pas trop au level? Non, non, nickel. Je suis passé level 12. Parce que moi c'est une level 21. Ah non, moi c'est niveau 12. J'hésite, ah, je vais pas la prendre, Parce qu'elle est pas mal, mais bon. Du coup, faut qu'on retrouve le Tan. Ouais. Le Tan Sylvestre Lirdel au centre. Je suis en face là. On est juste à côté, c'est bien ça. Oui.
L'émission où t'as pas 200 km à faire. C'est ça. Avez-vous arrangé un entretien? C'est lui, je crois, là. C'est elle. C'est elle? Ouais. Ok. Voilà. Avez-vous arrangé un entretien? On est censé le retrouver au domaine de la Bouchère. Évidemment. C'est là que le général Endare a éliminé la plupart de leurs forces. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la bataille? Les dragons de Jade ont attaqué de nuit, de toutes les directions à la fois. Les Sèves Noires n'avaient pas la moindre chance. Ils ont essayé de se rendre, mais le général Endare avait ordonné à ses soldats de nettoyer la zone. On dirait que les dragons de Jade savent obéir aux ordres. Pourquoi leur chant voudrait qu'on se retrouve sur un lieu de massacre? Sans doute pas pour une bonne raison. Enfin, nous n'avons pas le choix. Si leur chant arrive, vous devrez le capturer. Et comment on fait? Tenez, c'était les anneaux de Galtior. Ah. Ses fils les reconnaîtront immédiatement. Dès que leur chant en enfilera un, il sera téléporté jusqu'à la prison cachée. C'est un des enchantements les plus astucieux de Forinor. Ah, Forinor, c'est le maître des portails. Mais oui, c'est vrai. Il se surnomme encore ainsi. Ce gars a besoin d'un autre passe-temps. Une fois, il nous a proposé d'utiliser ces portails pour envoyer le contenu de nos latrines dans un camp des Sèves Noires. Ce sera une diversion parfaite, a-t-il dit. On l'a surnommé le maître des pots de chambre pendant un mois. Il y a autre chose qu'on doit savoir sur Lorchon? Il nous faut Lorchon et son frère. Voyez si vous pouvez lui faire avouer où Gorinir est caché. Vous avez un anneau pour chaque frère. Une fois que vous les aurez capturés tous les deux, Forinor viendra vous trouver. Si jamais nous ne nous revoyons plus, sachez que ce fut un honneur de vous rencontrer. Ouais, j'imagine, ouais. Okay, et bon, maintenant, bah, je retourne à mes tâches abrutissantes. Bonne chance. Merci. Alors, le site du massacre, est-ce qu'il est loin? Forcément, j'ai pris une entrée. Un point. C'était de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on est à Poney. C'est ça. De toute façon, toujours qu'il y a une chance sur deux, je pense toujours l'opposé. Enfin, toi aussi, hein. Putain. Ah, c'est pour ça. La bonne équipe, hein, la fine équipe. On est bien, on est bien. Ouais, par contre, on va prendre la route, un petit peu. Ouais. Vaut mieux. Dit-il alors qu'il prend pas du tout la route. Allez, vas-y, essaie de la rechoper. Voilà, c'est ça. Tiens, on va pouvoir découvrir un endroit en plus. Level 10. Ah, le petit. Il y a une quête à prendre ici. Hop, normalement, on a le lieu découvert ou pas? Ouais. Putain, les mecs. Je vois que mes sèves noires ne sont pas de taille face à vous. Alors. Je sais que vous travaillez pour ces lâches de voile ronce. Je l'ai su dès que vous êtes arrivé à Cormont. Mais il me semble que vous souhaitiez me parler. Pourquoi? On est là pour te livrer la justice. Vraiment? Ouais, ouais. J'avoue que je n'aime pas la confrontation directe. C'est plutôt le genre de Gorinir. Je préfère depuis longtemps m'effacer en arrière-plan. Ce que je vais faire, à moins que vous n'ayez quelque chose d'intéressant à me dire. Oui, ton père, il est en vie. Tiens, son anneau. En vie? Il avait disparu depuis presque un an. Tout le monde le pensait mort. La bonne carotte. J'avais comme l'intuition qu'il était vivant, et j'ai une vague idée de la personne qui le retient. Donnez-moi le nom de son geôlier, et je saurai si vous dites vrai. C'est Maeros, c'est le rôdeur de voile ronce qui retient ton père. Je vois. Très bien, je compte me rendre. Emmenez-moi auprès de mon père. S'il est en vie, je dois lui parler. Et pourquoi t'as changé d'avis? La rébellion Sèvres Noires avait besoin de ma famille pour démarrer. Mais maintenant, elle se niche dans le cœur du peuple. Elle se développera en temps voulu, et j'aimerais être auprès de mon père quand cela arrivera. Je me suis rendu, non? Pouvons-nous y aller? Ouais, mais avant, il est où, Gorinir? Mon frère est dans une grotte de l'autre côté de Cormont. Bonne chance pour l'atteindre. Il a de nombreux soldats sous ses ordres et il n'est pas du genre à parler avant d'agir. Vous devriez vous hâter avant qu'il ne mette son plan à exécution. Son plan? Quel plan? Comme je l'ai dit, il n'est pas du genre bavard. Parfois même avec moi. Je sais qu'il a une haine tenace envers la Bouchère de Jade et qu'il veut faire payer le domaine. Je vous ai dit où trouver Gorinir. Maintenant, emmenez-moi auprès de mon père. Ok, bah Mélano, on y va. Pour m'identifier comme votre prisonnier, pour que les voiles ronces ne me tuent pas à vue? Très bien. Eh ouais. Ah, je suis prêt à partir quand vous voudrez. Carotte. Comme c'est inattendu. Maintenant, ramenez-le. Rien à faire.
peut pas y aller, nous. Voilà. D'accord. Non, faut qu'on retrouve Kovrinir, je crois. Ouais, alors attends, je souris, parce qu'il est quand même 19h19. il est dans la grotte, du coup. Apparemment, hein. Si... merde, cherchez mon bouton M, allez où cette grotte? Allez, l'autre côté. Putain. Bon, ça, c'est pas... ça peut être trop chiant à voir, mais... à voir, allez. Ouais, plutôt. Oh l'enfoiré. Merde. Voilà. Il y en a encore là. Il y en a plein. Bon bah voilà. On va nous chercher, nous. Ça c'est fait. Voilà. Merde, à chaque fois j'appuie sur l'île. Enfin vraiment qu'on se fasse une petite île à la con juste ensemble. Ouais. En mode vodka pomme, un truc comme ça, tu vois, comme d'hab. C'est clair, comme d'hab. Mais parce qu'avec Chewie, depuis qu'on se connaît, c'est les guilds, c'est vodka pomme. Voilà. C'est clair. C'est toujours ça. À l'origine, c'est avec Bob. Ouais, à l'origine, c'est avec Bob, ouais. Bah, quand je vous ai connu, ouais. Ouais. C'était quoi comme guild qu'on avait fait? C'était du beau, non? Wow, ouais. Et puis après aussi sur Rust, on avait nommé Vodka Pomme. Ah oui. La chute est un peu haute, fais gaffe. Ouais, je vois ça. On a l'habitude des fausses scènes. Ouais, oui, c'est ça. Exactement. Pas le réflexe d'appuyer sur X quand tu me le proposes. Oh, on a fait synchro le poney. C'est beau. Allumez ça. On se sépare. On y est presque. J'ai pas loot en bas. Ouais, moi j'ai loot ce que je pouvais loot. Ah, une épée, une main. Elle fait combien? 1084 plus 2000 de dégâts givre. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Écoute, bah, j'aime la mettre. J'aime l'équiper, pardon. Ouais. C'est, oui, c'est plus joli à dire. La dague est pourrie, mais là, au lieu de taper, je tapais quoi? Je tapais foudre, maintenant je vais taper givre. Et ben, voilà. Et j'ai une épée de heal, quand je tape, elle me redonne des PV. C'est bon, ça? Ouais. Là, je suis que de la... que de la marde. Ah. J'ai pas besoin d'être 4, moi, c'est vrai. Je viens de découvrir que si je reste à 10, ça envoie de la foudre. Oui, je sais, c'est un peu con, ouais. Bien parce que lui, ça, je crois que c'est un healer. Enfin, c'est au moins il a l'aspect healer. Le mec qui nous accompagne, non? Ouais, là il joue dans le templier
Bon bah on enchaîne. Mais lui il fait de la magie du feu. De la lumière. Enfin, solaire je crois, c'est, je sais pas si ça s'appelle même. Un collier qui... Ouais. Bon qu'est-ce que je... Ah non. Comment il s'appelle? Ah oui il est level 128, le mec il connaît quoi. Ça se trouve on est en train de faire chier quelque chose. Si l'intrus est arrivé jusqu'ici, vous ne serez qu'une victime de plus à son tableau de chasse. Vous êtes avec les rôdeurs de voile ronce, les justiciards, la guilde des guerriers? Peu importe, je sais ce qui vous amène. On est là pour te livrer à la justice. Justice? La reine Eren a envahi nos terres et tué notre peuple, tout cela au nom du faux roi Camoran Aéradan. La seule justice est dans le sol, là où sa bouchère de jade a massacré notre peuple. Et maintenant, ce même sol va se lever et reprendre ce qui nous revient de droit. De quoi tu parles? Nos automates se lèvent déjà pour reprendre Cormont. Ceux qui sont fidèles au pacte vert verront la forêt se dresser contre les envahisseurs du domaine. Une juste vengeance face au travail de la bouchère de jade. Et pourquoi tu fais ça? Les enfants d'Ifre haïssent les étrangers qui profitent du vert. Jusqu'à ce que les sèves noires aient accès au trône, à Fanracine, le bois de Gratte se dressera face aux envahisseurs. Ils pleurent pour Geltior. C'est la mort de mon père qui les a poussés à cela. Dis-moi comment on arrête les automates. Vous ne pouvez rien arrêter. Cela a déjà commencé. Les campements du domaine vont connaître la douleur et la terreur que le général Endare nous a fait vivre pendant une longue et sanglante année. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir moi-même mis fin à la bouchère de jade pour honorer la mémoire de mon père. Et ton père est encore en vie, on peut t'y emmener si tu veux. Mensonge! Nos meilleurs sorciers ont passé un an à chercher des traces de lui. Ouais. Il n'y a aucune trace. Mon père est mort. Si c'était vrai, comment je pourrais avoir cet anneau, tiens, cadeau? C'est l'anneau de mon père. Je l'avais pris dans sa chambre quand j'étais enfant. Quand il l'a appris, j'ai reçu une belle raclée. Mais cela ne prouve rien. Si ce n'est que vous avez peut-être tué mon père, et que vous êtes venu me réserver le même sort. Si tu portes l'anneau, je peux t'emmener auprès de lui et ton frère. Vous avez aussi trouvé l'orchon? Bah oui. Aucune importance. Les campements du domaine capituleront face à nos automates et le peuple se dressera au nom des sèves noires. Vos mensonges sur ma famille ne m'intéressent pas. Et ton seul moyen de savoir si on ment, c'est de porter l'anneau. Bon, menez-moi à mon père. Allez, double carotte. Crédule. Ah, comment t'es crédule? C'est une ruse. Bah oui. Ah, il y a du miel si tu veux. Ah oh bah ouais, c'est super, je suis bloqué. Non. Attends, il descend doucement. Hein. Oh là là, le bug. Oui, mais c'est pour pas te... Pour pas que t'aies trop de dégâts de chute, ça sera douf. Ah bah oui, oui. Effectivement. Ouais. Voilà. Bon, le miel c'était inutile, hein, mais... Ouais. Donc là, faut qu'on défende le camp du domaine contre les automates sèves noires. J'espère qu'elle va pas être con, ce truc-là. Enflammez-moi ça! Il y a du monde là! Ah voilà. Alors, augmente la santé pas mal. J'ai trouvé un nouveau fut. Putain, moi je loot pas grand chose hein. Le collier on a dit moins bien. Mais le fut. Plus de santé et augmente la valeur d'armure de 13%, pas mal.
Et ouais. Mais par contre, ce casque, il me saoule et je ressemble à rien avec, quoi. Bon, on va sortir de là et puis après, je pense qu'on aura fini l'épisode. Hein. Ça roule. Oh la vache! C'est toi qui as mis ça ou... Non, je crois que c'est toi. Hein. Bah, on sait rien. Ça, c'est peut-être un de mes pets qui s'énerve, mais. C'est chaud. On s'arrête ici? Allez. Allez. Allez, il y en a un truc. On monte la santé. Eh ben, rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ous. Ciao.